Unir les musiques et les siècles, c'est le pari réussi de Monteverdi 2.0. Du début du XVIIe à aujourd'hui, l'ensemble Mateus nous entraîne dans un mélange des genres musicaux surprenants et énergiques. Un petit tour du monde d'1h30 qui a séduit près de 450 spectateurs. J'ai trouvé que c'était très très bien, très sympathique. J'ai bien aimé le mélange des cultures. Il y avait une chanteuse américaine. J'ai adoré. Il a partagé beaucoup d'intimité, je dirais. Et donc, c'est une très très belle façon de découvrir ces morceaux choisis. Un voyage inattendu, orchestré par Jean-Christophe Spinosi, qui n'a pas manqué de faire un clin d'œil à ses racines corses, avec cet extrait des Vêpres, interprété par le chanteur insulaire Jérôme Casalongue. C'est l'écho musical de ce qu'est la Corse pour moi. Elle est tellement multiple et elle est si ouverte aussi. La beauté de la musique, c'est d'abord sa force émotionnelle. Et les émotions, elles sont produites pas seulement par les sons, mais par le cœur des interprètes qui s'envolent et qui va créer donc des sons empreints d'amour, d'affection, d'émotion. Et le public le reçoit très bien. Il n'y a pas besoin de connaître la musique pour ça. Des classiques revisités sur du gospel ou des rythmes africains improvisés. Une création plurielle sous les étoiles. Subtile alliance de musique savante et populaire. De quoi briser les a priori sur la musique classique.